Mayday. Oui. Allô. Oui, merci de me passer la parole ici. Au stade d'Nkolobetetam, le match est connu de tous, un match vraiment grandiose. Le match qui oppose au jour d'aujourd'hui et vous le babas d'Nkolobetetam. Nous faisons donc appel à notre consultant permanent dans notre chaîne de télévision connue de tous. Non, ça va, Mana, ça va bien. Merci de nous prouver encore ta disponibilité. Vous savez, ce monsieur est le propriétaire terrien d'ici. Il est le chef d'ici et notre consultant permanent. Alors, Mana, il y a un moyen de faire l'ordine. Wotourna mama uliye je bona bunang bana bi hemenen damirin dambi wayenenen dambi anendam kikirigi worete. Oui, je constate que le match d'aujourd'hui c'est un match qui se déroule le matin. Quelle frappe d'Aboul Babas, c'est Abine Kwade. Oh dames et messieurs, c'est terrible ici. Ah mana ou pourquoi tu parlais carne Abine Kwade na inange nkolibitam amu Abine Kwade nganga lendamba e bukobanyu bukoba kamba nyanga bia Abine Kwade worete. Moi, Binin Kperi, Nyangaliga Dumundambas, Worite. Oui, c'est honnête, le consultant est clair. Il vous donne l'arbre généalogique et le parcours, le curriculum vitae de son joueur, le petit Abine Kperi. Alors, Abine Kperi est donc le fils aîné de Maman Marie dans Kolibitetam. Binangi, Binimin Sominyu, Binibinangi et Vunzout. Oui, ceux qui jouent déshabillés sont les jeunes. De Vonzout. Amana. Non. Babbe Akob Davin. Binibi Nangi Nkolibitetam. Ah, ceux qui sont maintenant habillés sont la jeunesse, les papillons de Nkolibitetam. Maintenant, il faut que vous le sachiez. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe au stade? Il y a eu un joueur qui est tombé. Oh là là. Le joueur là a les écorces au niveau des hanches, ce n'est pas honnête, ça c'est quoi ça? Non. Il est ballon de Douma. Mais voilà les causes de l'arbre qu'on appelle le Dumas, c'est ça qu'il a en main là. Mais qu'est-ce qui se passe avec les joueurs d'ici là? Mais ça c'est quel championnat ça? Oui, ça continue là-bas. Oui, bon geste, très bien joué. Voilà donc les lobbies, oui. Oui, merci beaucoup notre consultant. Merci de nous avoir prêté votre sagesse. Merci de nous avoir donné votre quintessence et votre légitimité. Allez-y, monsieur. Alors, dès l'heure de libre, qu'est-ce qui se passe là-bas? Monsieur l'habite dans le carton, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Comment? Attendez. Mais monsieur l'habite, il n'y a pas enjeu. Il n'y a pas enjeu, monsieur l'habite, attendez un peu. Mais comment un joueur prend le ballon en défense, il dribble tout le stade, il marque, tu dis qu'il était enjeu. Mais c'est la magie. C'est malhonnête, c'est vraiment malhonnête. Oh, vraiment ce match, qui va le gagner? Je vous dis, ce n'est pas le match des Ulu Berlu, ce n'est pas le match des pilules, ce n'est pas le match des gars qui ne connaissent pas. Je vous dis, ces gars sont pas. Action personnelle, 2 dribbles, 3 prochains, 4 prochains. Et
Regardez le chef qui entre au stade, mesdames et messieurs. Pour ma sécurité, je vais le suivre. Oh là là, c'est terrible. Pourquoi est-ce que le chef entre au stade? Pourquoi est-ce que le chef entre au stade? Pourquoi entre au stade, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qui se passe pour ma propre sécurité? Voilà le chef qui est en train d'indiquer comment on paie le terrain. Vend ce terrain à SC Ibekono Immobilier. Vraiment, ce n'est pas terrible. C'est grave. Le chef vend le terrain. Le chef vend le terrain. Le chef va te vendre le terrain. Non,